Chiqueleur, j'espère que vous allez bien, c'est Kezi. On se voit ici pour faire une vidéo de visite, bien sûr, avec Rangel et Renskies. On fait une vidéo visite, bien sûr, que j'ai déjà dit. On est venu pour faire cette vidéo, on est venu ici, même si un petit village. Petit village qui est dans un petit côté de Vaucluse. 84 ans. Au Vaucluse, qui s'appelle... C'est pas les Suisses, hein? C'est en Suisse? Ah, en Suisse! Ah, voilà! En Suisse! Dans le sky, il l'avait avec 1000 personnes, 1000 habitants. 1000 personnes, il y a 1000 personnes invitées. 1000 habitants ici, voilà. On se retourne, visitez bien. Et à tout à l'heure. Avec 1000 personnes, bonjour à tous. Nous sommes arrivés au château d'en Suisse et pour avoir plus d'informations et plus de trucs, Rangel va vous expliquer ce château. Écoutez-le bien. Alors, petite discussion sur le château d'en Suisse, sur l'histoire de ce château. Donc, ce château est de la famille Sabran qui date du 5e siècle. Ce château qui a été refait au 12e siècle, au 12e siècle, mais aussi au 15e siècle et au 17e siècle, ce château a une vue imprenable sur la vallée du Luberon, d'où il en fait sa plus belle popularité. Le village est connu grâce au château, à l'église et à son patrimoine exceptionnel, l'un des préférés des Français de ces dernières années, de 2016, 2017, 2018, 2019, sur les 5 ans déjà. Donc vous pouvez venir l'admirer. Le château où on est en ce moment est fermé. Donc du coup... On vous repart Kezi qui va vous montrer l'église de Saint-Martin qui est juste à côté du château sur la vue de la vallée du Luberon. Je vous laisse avec lui. C'est l'église de Saint-Martin et vient du 13e siècle. Si vous avez besoin, beaucoup de renseignements, tout de suite, Rangel. Donc, petit point info sur l'église de Saint-Martin en Suisse, où nous sommes juste en bas du château de Suisse, qui surplombe toute la vallée avec cette église. Donc,
qui date à peu près d'un point de vue des historiens du 13e siècle, qui jonxe tout le village et surplombe toute la vallée, versant sud. Dans cette église, il y a un escalier en demi-cercle où, dans cette église, il y a de superbes fresques sur Delphine et Elzère de Sabran, le comte de l'époque. Donc c'est les deux cloches, les deux premières cloches. Et ensuite, juste après, le comte Fourque Martin et sa femme, Roselyne, les deux autres cloches qui ont été rajoutées en 1980 dans cette église de Saint-Martin. Petite remarque, cette église était enregistrée au lieu historique depuis 33 ans, en 1988. Maintenant que Kizzy vous a parlé du château d'Ansuisse, de l'église Saint-Martin, de tout le reste de la croix, de l'autre côté du village, de ce village de plus de 1030 habitants, je vous laisse avec lui qui va vous présenter, qui va vous montrer la tour de guet, la fontaine moussue, sur combien ça va débailler, la tour moussue et la tour de guet avec Kizzy qui vous montre ça. A tout de suite. Let's go! Oh, maintenant, on va visiter la tour de guet. Et merci Rangel de ça. Allons-y! Hé, hey, Rangel, c'est Covid. J'ai trouvé la tour de guet. Ah, ça fait une heure qu'elle la cherche, hein. Je vais là. Apparemment, il y a une piscine. Je vais... Bon, Rangel, je te laisse. Donc, apparemment, cette tour de guet, qui a été la dernière à être conservée du village, qui est encore aujourd'hui visitée, la preuve, nous y sommes encore, c'est la seule qui reste et l'une des principales du village de l'époque du temps des chevaliers, avec le château, l'église. Elle garde une position stratégique du côté est du village, d'où on la surnommait la Gorge Ouverte. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici, il y a l'entrée avec, si vous voyez là, il y a une trappe où les gens rentraient pour aller en haut, se positionner. Si jamais il y avait une attaque, ils se montaient là, ils se positionnaient avec les arcs et les flèches. Parce que si vous voyez sur les côtés, vous voyez bien, vous voyez ces choses-là. Si jamais les ennemis qui montent, ils devaient être préparés, arc, flèche, saut de goudron pour mettre le feu, tout était mis en œuvre pour que l'ennemi, l'opposant, ne vienne pas dans le village. Donc, maintenant que vous avez vu cette tour de guet, très jolie aussi, vous pouvez la voir, c'est l'un des endroits les plus connus dans Suisse, puisque dans chaque carte du village, elle y est marquée en numéro 5. Donc je vous laisse avec Kizzy qui va vous montrer plein de petites choses à découvrir dans ce petit village au cœur du massif du Luberon. Ah bon, j'étais à la piscine, voilà, j'espère que vous avez bien suivi l'histoire de Rangel. Moi j'étais à la piscine. Bon, non. C'est parti, on y va à la fontaine, pas de chance. Mais je vous montre, Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow, on pleut. Ça se lève. Il n'y a pas vraiment beaucoup de fenêtres. Money, money.
Ok, ok, Manny. Je ne trouve pas le chemin, ça m'énerve. Je dis ok ok Mani, ça m'énerve. Je sais pas où aller. Demandez à Dora, par là, par là, par là. Demandez à Chipster, je crois. Oui, quoi? Oui, quoi? Aïe, je vais dormir. Bon. Oui, il y a une chien. Eh ben, je cherche le chemin, je sais pas où il est. Donner un don à trouver le chemin, ça m'énerve. La fontaine de Jérôme, je la trouverai pas, ça m'énerve. Ok Mani. Kill Zila. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il adopte un chat lui. Pourquoi vous regardez? Je cherche le chemin. J'ai visité là-bas. Là-bas. Il visitait là-bas. Ça va pas? Non, attends. Visiter là. 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 Je dois aller là-bas. Ah, c'est vrai. Bon, ben. Merci de votre question. Il ressemble à une louille, Iris. Je cherche encore la fontaine. Oh, Mani Mani, c'est un île. Ah ouais, c'est vrai. Jamais de pause quand on est youtubeur. Sponsoriser la chaîne qu'il dit. Mais t'avais pas fait le chemin déjà? Quoi? T'avais pas déjà fait le chemin déjà? Bah, je sais pas, les abonnés m'ont dit c'est là-bas. Ah, alors comment tu fais? Je sais pas du tout. Je vais me suicider. Arrête les conneries. Alors, faut aller où là? Là-bas. Bah, vas-y, teste. J'ai déjà testé, j'ai déjà passé là-bas quand j'ai dit ok, ok, Mani. Attends, je vais faire. Ciao. J'en ai 4, je peux pas. Ah, bon, de dizaines, ta gueule. Le chemin, je n'ai pas trouvé la bonne. Attends. En fait, que j'ai trouvé la bonne pendant une heure. Elle est juste derrière moi avec ce chat noir. Et les chats, ils sont super beaux. Adoptez un chat. Sauvez un chat, sauvez une vie. A tous, c'est la fin de la vidéo. Pouce bleu. On s'en sortira jamais avec lui. Tu viens, on se fait un McDo?